Salam alaikum. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de la lecture. Et comme vous savez, la majorité des Algériens ne lisent pas. Où est le problème? Alors, le problème, c'est que on n'a pas su faire de la lecture à nos enfants et surtout à nos élèves. Et comme vous savez, la lecture est l'une des meilleures stratégies pour former une communauté, créer une base de compréhension, surtout commune, pour la discussion. Modéliser une lecture expressive, fluide et surtout captivante. Elle permet d'avoir une pensée, bien sûr, plus clair et donc d'être mieux compris, entendu et surtout reconnu pour pouvoir prendre sa place d'adulte et surtout de citoyen. La lecture, elle est fondamentale. Prendre sa place d'adulte et de citoyen, on doit savoir lire et écrire. La lecture, elle est la base de la compétence, le passage, bien sûr, obligé pour accéder aux autres apprentissages et avancer dans le parcours scolaire. L'écriture, elle est partout autour de nous. La maîtrise de la lecture est un prérequis indispensable pour prendre pleinement, bien sûr, sa place en tant que citoyen et d'être surtout une personne présente et active dans notre société. Des personnes ne sachant pas lire, bien sûr, sont mises à mal dans de multiples situations. L'apprentissage de la lecture est essentiel à l'école, comme à la maison, bien sûr. Alors, qui sont les premiers éducateurs? Ce sont les parents. Les parents peuvent pousser leurs enfants dans cet apprentissage, susciter chez eux le goût de la lecture, en leur lisant des histoires, leur achetant des livres, mais malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui le cas. Mais tous les parents ne sont pas égaux par rapport à la lecture, bien sûr. Des personnes analphabètes ou bien des familles de milieux populaires n'ont pas les moyens pour acheter à leurs enfants les livres adéquats pour faire de la lecture. Le deuxième qui peut pousser les enfants à la lecture, bien sûr, c'est l'école. Alors, l'école est le principal dispensateur du savoir, bien sûr, et de la lecture. Alors, la lecture, bien sûr, a un rôle, surtout éducatif, pédagogique, essentiel. Et à ce sujet, tous les enfants, et plus particulièrement pour ceux qui n'ont pas les prérequis en matière de lecture et d'écriture, peuvent l'atteindre. Donc, malgré cela, comment ensemble, nous, ensemble, parents, élèves, etc., pousser cet apprentissage et développer le goût de la lecture chez nos enfants? Comment réduire à l'école les inégalités scolaires liées à la lecture? Comment aider l'enfant à suivre un parcours de lecture, de premier album. Alors, de textes bien sûr divers, quelle que soit la forme. Comment l'accompagner dans la découverte du livre et lui fournir, bien sûr, les outils qui lui permettront de s'ouvrir au monde des possibles. Comment éveiller le goût de la lecture chez l'enfant? Quelle place a encore la lecture dans notre société, où l'image prend une place
considérable. Bien sûr, à travers l'Internet, les portables, la télévision, etc., etc. Alors, la maîtrise de la langue orale, mais aussi écrite, bien sûr, est essentielle. Elle permet d'avoir une pensée plus claire et donc d'être mieux compris, entendu, reconnu pour pouvoir prendre sa place d'adulte et surtout de citoyen. Alors, dans ce cas-là, la lecture est essentielle pour postuler à un emploi, comprendre ce qui est écrit dans les documents ou bien dans les courriers administratifs, les livres, les brochures, les journaux et sur les affiches. Qu'on le veuille ou non, bien sûr, même si des signes de déclin apparaissent, la lecture et l'écriture surtout restent des actes humains fondamentaux. Il y a effectivement, bien sûr, des exigences sociales, scolaires et professionnelles, de capacité de lecture et d'écriture. Cependant, ces capacités, et surtout donc la réussite scolaire et professionnelle, ne dépendent pas directement du goût de la lecture. Mais le goût de la lecture, bien sûr, nous aide-t-il pas à développer ces capacités? Voilà, donc je termine ici mon exposé et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Voilà,